Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Awalan, a'tadhar an ghiabi wa ashkuru kull man sa'ala anni. Kadhalika, urahibu bi kull mushtarikin al-judud alladhina inzamu ila a'ilat français avec Lina. Aliyoum ladayna dars min kitab sana rabi'a ibtida'i, as-safha 25. Idhan falnabda' ala barakatillah. Ladayna, je conjugue, usarrif. Li, puis recopie dans ton cahier. اقرأ ثم انقل على كراسيك. لدينا جملة. Tu as son adresse? Tu as son adresse? هل لديك عنوانه؟ Oui. Donc هنا لدينا جملة. قلنا بأن الجملة دائما في اللغة الفرنسية تبدأ بالفاعل. Le sujet. والذي يأتي قبل الفاعل هو الفعل. Le verbe. Donc le sujet ici c'est tu. Le verbe c'est A, il vient juste après le sujet. Tu, c'est le sujet. A, c'est le verbe. Ici, on a A, S. Donc, le verbe ici, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. La dernière fois, filmar al-madia, ra'ayna, le verbe être. Le verbe être, qu'on a bi'annahu yasifu al-hala. Par exemple, أقول je suis heureuse. أنا سعيدة. أو كذلك يستخدم للتعريف. Je suis algérienne. أنا جزائرية. قلت لكم بأنه يجب أن تفهموه جيدا وأن تحفظوه نطقا وكتابة لأنه مهم جدا تركيب الجمل في اللغة الفرنسية. ما سنراه اليوم هو le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir. نرى معا التلخيص الذي قمت به. إذن le verbe être هو فعل كينونة أو بيا هو الفعل يكون. أما بالنسبة لي le verbe avoir فإنه فعل الملكية. Donc le verbe avoir exprime la possession. Exprime la possession يعني يعبر عن الملكية. يخبرنا بأن الفاعل le sujet يمتلك شيئاً ما. D'accord. Exemple, مثال. Tu as un livre. Tu as un livre. لديك أو عندك أو تملك un livre كتاب. عندك كتاب. Donc, رأينا كذلك سابقاً. Les pronoms personnels. ضمائر الشخصية. قلت لكم بأنه يجب علينا أن نحفظها جيدا وبالترتيب. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. لنتعرف معنا على la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. تصريف الفعل avoir ou bien فعل الملكية avoir مع كل الضمائر في الزمن الحاضر. مع الضمير je لدينا e. لكن هنا لدينا التقاء دو فويل حرفين متحركين. لدينا هنا le e et le a. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la première voyelle. نحذف الحرف المتحرك الأول ونستبدله ب l'apostrophe. Donc يكون دائما بهذه الطريقة j apostrophe ثم أي يقرأ ج، دكتور؟ donc أولاً ج، tu a ينطق tu a il elle a nous avons vous avez il avec s elle avec s on donc هنا بالنسبة لي النطق نقرأ nous avons. On fait la liaison entre nous et avant. Nous avons, vous avez, la même chose, et ils, elles, ont. Donc, oïd, j'ai, tu as, il, elle, a, nous avons, vous avez, il avec s, elle avec s, ont. Donc, هنا يجب أن نحفظه كذلك. جيداً. نطقا وكتابة عندما نقول جي
Donc, هنا اي c'est le verbe avoir conjugué au présent avec le pronom personnel je. هنا a c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif avec le pronom personnel tu. يجب علينا ان نفهمه بهذه الطريقه. D'accord? Très bien. الان نمر الى الامثله, les exemples. J'ai une amie. J'ai une amie. هنا قلنا بان الجمله تبدا بلو سوجي, الفاعل. الفاعل هنا هو je. الفعل ياتي بعده, donc c'est est. Donc on a ici le verbe avoir. J'ai une amie. لدي صديقة. الجملة الموالية nous avons une belle maison. هنا نقرأه nous avons. هنا le sujet c'est nous. Le verbe c'est avance. C'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif avec le pronom personnel nous. Nous avons une belle maison. Nous avons une belle maison. لدينا منزلا جميلا. آخر جملة vous avez, vous, أنتم, vous avez un chat. لديكم قطة. Vous avez, لديكم, أو تمتلكون un chat, قطة. Donc le sujet c'est vous, le verbe c'est avez, c'est le verbe avoir conjugué au présent avec le pronom personnel vous. Vous avez un chat. نتمنى أن تكونوا قد فهمتم. لنشرح ونبسط أكثر, ننتقل إلى التمارين. Donc, التمرين الأول. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. اكتب الأفعال بين قوسين في زمن الحاضر. الجملة الأولى. مجيد. Donc, le verbe ici, c'est le verbe avoir. Il est entre deux parenthèses. بين قوسين. Une belle maison. Donc هنا مطلوبنا هو تصريف الفعل بين قوسين في زمن الحاضر. لدينا هنا le sujet c'est Majid. قلنا الجملة تبدأ بالفاعل le sujet. Le sujet c'est Majid. Le verbe c'est avoir. نعلم جيدا بأن Majid هو اسم ولد, يمكننا أن نستبدله بالضمير très bien بالضمير il, بالضمير il au singulier. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, il a une belle maison. لديه, il a. ثم الجملة الثانية nous, c'est le sujet, le verbe c'est avoir, une jolie voiture, سيارة جميلة. Donc, avec nous, قلنا, نقول nous, nous avons. الجملة الموالية, les élèves, le verbe c'est avoir, un examen de français, اختبار في اللغة الفرنسية. Donc, on doit conjuguer le verbe avoir. يجب علينا تصريف هذا الفعل. Les élèves, c'est un nom commun. C'est un nom masculin pluriel, هو الاسم مذكر جمع. نعلم جيدا بأنه يمكننا استبداله ب très bien ب il avec s, il au pluriel. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Les élèves ont, très bien, les élèves ont un examen de français. التلاميذ لديهم اختبار في الفرنسية. آخر جملة tu, le verbe toujours c'est le verbe avoir, un bon cœur. Donc le sujet c'est tu. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, on dit tu as, as, tu as un bon cœur. لديك قلب طيب. هذا فيما يخص التمرين الأول. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني ماذا لدينا؟ complete بمعنى أكمل. إلى un beau quartier. إلى un beau quartier. لديه حي جميل.
Le sujet ici, c'est il. Le verbe, c'est a. C'est le verbe avoir conjugué au présent. Thumma, le jumel mouéli, le deina nous. Ma fara, un beau quartier. Il fara, un beau quartier. Donc, c'est la même phrase. Il y a nefs le jumla. Le mutagayir huna huwa le sujet. Donc, الشيء اللي تغير في هذه الجمل هو الفاعل, le sujet. في هذه الفراغات طلب منا تصريف هذا الفعل مع هذه الضمائر. D'accord? C'est conjuguer le verbe avoir avec ses pronoms personnels. هنا لدينا nous. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nous. Très bien, on dit nous avons. Un beau quartier. Il. Ils ont, très bien, un beau quartier. Puma, vous, entom, vous avez un beau quartier. إذن, تمني أن يكون الدرس واضحاً لكم. الآن نعود إلى الكتاب المدرسي. بدأنا أولاً بتصريف الفعل كما رأيناه الآن. ثم لدينا هنا السؤال الأول يقول dans ton cahier, relis selon le modèle. يعني في كراسك اربط حسب النموذج. لدينا هنا tu as un beau jardin. لديك حديقة جميلة. Donc le pronom personnel ici c'est tu. Le verbe c'est a. As. ثم avec j apostrophe قلنا très bien نقول j. ثم avec il et elle a. Donc, un beau jardin. Un beau jardin. Hadika Jamila. Nous avons. Vous avez. Il et elle avec S. En. Bien sûr. Assoual Mouali. Recopie les phrases puis souligne le verbe avoir. Donc, المطلوب هو أن ننقل الجمل ونسطر تحت le verbe avoir. J'ai son adresse. لدي عنوانه. Donc, ici le sujet c'est je. Le verbe c'est et. C'est le verbe avoir. Donc, on souligne et. الجمل المولية. Il a une belle maison. Il a une belle maison. Donc, le sujet c'est il. Il est le fa'il. Le verbe c'est a. C'est le verbe avoir. Donc, je souligne. Ils ont une jolie voiture. لديهم سيارة جميلة. Ils ont. هنا, ont, c'est le verbe avoir. Je souligne. Sa famille a beaucoup d'amis. عائلته لديها الكثير من الأصدقاء. Donc, sa famille, c'est le sujet. Donc, le verbe, c'est a. C'est le verbe avoir. Atmri Felif dit, puis écrit le pronom qui manque. Qul, thuma oktub, avamir annaqis. Donc, on le déna. Fara, awalan, thuma on, un grand parking. El fil huwa on. O, n, t. Donc, الآن بما أننا نعرف le verbe avoir, donc, يجب علينا أن نعلم بأن ONT, بمعنى ON, يصرف مع الضمير, très bien, مع IL avec S, أو L avec S, نفس الشيء. Ils ont un grand parking. ثم, الفعل هنا هو A. Donc, le sujet c'est أو الضمير هو très bien si il أو elle au singulier. Il a de la chance. لديه الحظ. ثم الفعل هنا هو avait. Avait يصرف مع الضمير très bien avec vous. Avec vous. أنتم. Vous avez une belle terrasse. لديكم سطح جميل. La terrasse. Thumma, le verbe c'est a, as, donc le sujet,
Le pronom c'est tu. Tu as un chien? هل لديك كلب؟ التمرين الأخير complète le dialogue par أكمل الحوار ب avant et à avec à. Donc nous كملو الحوار ب le verbe avoir. Oncle Rachid, vous, une piscine dans le quartier? هل لديكم مسبح في الحي؟ Donc مع vous قلنا très bien vous avez نقول vous avez. Majid, non. Mais nous, un grand stade. يجيب Majid, là. لكن لدينا ملعب كبير. Donc avec nous, on met avant. On dit nous avons. Thumma, ma sinissa, tu, un vélo. Ma, tu, نقول, tu as un vélo, لديك دراجة. آخر جملة. Majid, oui. Un vélo et mon frère, une moto. Donc, on a le sujet, c'est, donc le pronom personnel, c'est je. Donc, on va mettre, très bien, on va mettre à inakoulou, j'ai un vélo. Naam, le deye daraja, et mon frère, wa akhi, une moto, daraja. Donc, mon frère, on a koula bi ennou yumkinouna, ennestebdilahou bi il, au singulier. Donc, le verbe avoir, c'est, très bien, on dit, mon frère a une moto. Oui, j'ai un vélo et mon frère a une moto. Donc, بهذا نكون قد وصل لنهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم وأن الشرح واضح بالنسبة لكم. الفيديو لاحق بحول الله. أشكركم على متابعتكم والسلام عليكم.